Hey, tu casses! Mmh. On est maintenant spéologue, on examine les roches. Quand même nice! De quoi tu parles, Marie, là? On appelle ça de l'escalade de roches, comme je check les prises, là. OK, c'est un nouveau trip. GM et son nouveau trip, escalade! J'adore. Jeune fille, si tu te sens comme ça au courant de toi, tu te mets comme au défi d'essayer de me battre dans ce type de sport-là. OK? Ouais, gars, je te mets au défi aussi. Nice! Vincent Légaré, on est ici au Mont-Wright avec toi. Tu es le nouveau copropriétaire du nouveau centre d'escalade à Québec, Délire. On fait l'escalade de roche aujourd'hui ici au Mont-Wright. Explique-moi un peu la différence entre l'escalade de roche extérieure et l'escalade intérieure que vous pratiquez au centre Délire. Bon, l'escalade intérieure, ça se passe évidemment sur du plastique, si on veut, sur des prises qui sont faites en résine. Tandis que l'escalade extérieure, bien, c'est sur de la roche naturelle. L'escalade, ça représente quoi personnellement? Bien, l'escalade, là, depuis plusieurs années déjà, c'est pas mal au centre de ma vie parce que j'en fais dans mes loisirs. Je pars en voyage juste pour faire de l'escalade, puis je travaille dans l'escalade tous les jours. J'ai commencé, ça fait 5 ans. OK. J'ai arrêté pendant ma grossesse parce que j'étais vraiment trop grosse pour faire de l'escalade. Puis dès que j'ai accouché, le centre a ouvert. Ça faisait vraiment longtemps qu'on attendait d'avoir un super beau centre à Québec. Puis fait que j'ai pris mon abonnement annuel, mon chum travaille là aussi. Donc depuis le mois de mars, là, c'est de façon assidue, 2 fois par semaine à peu près, je m'en vais au centre. Puis c'est comme une famille. Tu arrives là, puis tout le monde te jase. C'est pas juste faire de l'escalade, c'est aussi un peu un mode de vie. Parce que l'escalade, on s'est rendu compte, quand Jim et moi, on est arrivés au bout, c'est vraiment le dépassement de soi-même. On dirait qu'on atteint un objectif, là. C'est assez particulier comme feeling. Ouais, ben je pense qu'on pratique toute l'escalade des motifs, des raisons différentes, mais il y en a une qui est commune, c'est le dépassement de soi. C'est vraiment toi qui es en compétition avec la roche. Quand je compétition, c'est pas négatif. En fait, c'est un dépassement. Puis quand t'arrives en haut, c'est de dire, bon, mais j'ai réussi. Puis c'est un peu, tu peux transposer ça dans ta vie. Quand quelqu'un commence à faire de l'escalade, à l'extérieur, ça va être en général un petit peu moins vertical qu'à l'intérieur. Donc, c'est plus facile à l'extérieur, contrairement à ce qu'on peut penser. Dans la ville de Québec, je te dirais qu'on est quand même assez choyé parce que à 15-20 minutes de la ville, du centre-ville, on a quelques falaises. C'est quand même des falaises écoles, mais on a des falaises extérieures. Fait que ça, c'est génial. Sinon, si on se déplace plus dans le bas du fleuve, vers Kamouraska, on a une falaise. Il y a une falaise là pour grimper qui est splendide. Voilà. Puis sinon, on va avoir des plus grosses falaises dans le coin du Saguenay qui sont pas très accessibles. Mais Vincent, en fait, c'est un professionnel. Exact. Donc, on va te donner combien qu'on pense, en combien de temps il va monter la paroi, la pente école qu'on a fait en quoi? Comme 5 minutes, peut-être? Moi, 3, toi, 15. Oui, c'est clair. Oui, puis Vincent, ça. Étant donné qu'il est comme, fait ça tous les jours, il m'a dit qu'il était capable de faire ça en dedans de quoi? 20 secondes, mettons? OK, moi, j'y vais avec ça va prendre 12 secondes. Moi, je dis 10. Non, 12. Oui, non. Moi, je dis comme 16, mettons, réaliste. 1, 2, 3, go! 12 secondes! C'est moi qui ai une 12! C'est moi qui ai gagné! Est-ce que c'est l'endroit à l'extérieur qui est le plus pratiqué, qui est le plus utilisé par les gens qui pratiquent l'escalade? À Val-Bélair, il y a une belle section aussi. À peu près des niveaux de difficulté égales. Il y a ici, à Stoneham, puis il y a également la pente vraiment, vraiment débutante école, c'est au pylône. Okay. Au pylône, c'est à côté du pont La Porte. Ta préférence à toi? Ben moi, j'ai un coup de cœur pour Stoneham, parce que je reste à côté. OK.
What's up, Larry? Alors, c'est GM qui va m'assurer. Pas sûr. Ça, c'est la corde que tu lâches jamais. Celle qui est en bas. Celle qui est en haut, c'est là que j'ai attaché ton arrière. Bon? Puis, quand tu vas tirer sur la corde, tu fais ça comme ça. Mm-hmm. Tu viens bloquer en bas. Okay. Tu vas rechercher ta corde ici. Mm-hmm. T'en vas. OK? Là? C'est la même affaire que là, t'as essayé. Pareil. OK, parfait. Pareil. Pas de trouble. Sauf que, si tu le lâches, lui, il bloque tout seul. Il bloque, bon, j'adore ça. Right on! Je suis prêt. Comment tu te sens que je t'assure? Pas très sécure. Bon, ça marche, là! Parce que Marie, avec son orgueil, elle essaie de prendre la ligne que j'ai prise tout à l'heure. Ça va donner ce que ça va donner. Lâche pas, Marie, lâche pas. Bon, Léa! Tu es oui, mais j'ai un petit peu en haut, je dois t'avouer. Tu m'as dit que tu étais rendu avec une espèce d'équipe dans ton école, une équipe de jeunes qui étaient là comme hebdomadairement avec des pratiques deux fois semaine. Ça commence à être assez intéressant comme ça pour les gens qui veulent faire de l'escalade. Ah oui, surtout pour les jeunes qui veulent commencer, qui veulent s'investir là-dedans puis vouloir développer des aptitudes importantes en escalade. L'équipe de jeunes, c'est génial. Les jeunes tripent, on court les compétitions, on s'entraîne toute la gang ensemble, on va faire de l'escalade à l'extérieur quand le temps nous le permet. Puis... Non, c'est une super de gang. On a 14 jeunes, là, entre 11 ans et 17. On espère pouvoir participer à des compétitions, des Coupes du monde, des championnats du monde, des trucs comme ça à l'extérieur, mais l'escalade, c'est pas encore aux Olympiques, peut-être que... Pourquoi pas? Bien, l'escalade en tant que telle, toutes les compétitions, c'est principalement des compétitions de difficulté. À l'occasion, il y a quelques compétitions de vitesse pour le show, pour le spectacle, mais les gens vont s'entraîner dans le but de faire des compétitions de difficulté. Parle-moi un peu du côté compétitif de l'escalade au Québec. Le côté compétitif est en développement. Ça s'améliore beaucoup. Là, on a vraiment un niveau là, qui est assez... qui est comparable à ce qu'on va retrouver partout dans le Canada. Fait qu'on va avoir des athlètes de Montréal et de Québec même qui vont être compétitifs au niveau national. All right. Attends, c'est beau ici. C'est pas encore aux Olympiques. Je présume que c'est une question d'organisation au niveau international, mais peut-être qu'un jour, on va voir l'escalade. Hey! Bienvenue à 360!